Bon, alors on commence la première partie du premier tuto, bien du premier atelier avec Photoshop. Je vais importer mon fichier, bien mon image, dans Photoshop. Je vais glisser-déposer tout simplement. Voilà, je vais créer maintenant un nouveau calque, cette icône. Vous l'appelez ce que vous voulez. Je vais l'appeler Map. Voilà. Maintenant, je vais chercher l'outil pot de peinture. Donc, le voilà. Si vous voyez cette icône, il faut maintenir le clic chercher pot de peinture. Et je vais le remplir de couleur noire. Si vous avez une autre couleur ici, donc vous pouvez juste cliquer et venir chercher le noir. Sinon, vous tapez D sur le clavier pour couleur par défaut et automatiquement il vous mettra le noir et le blanc pour l'arrière-plan. Donc, en choisissant bien sûr ce calque ici, je vais remplir tout en noir avec une opacité à 100%. Maintenant, je vais diminuer cette opacité pour voir l'image en dessous qui va m'aider. Voilà. Cette image, je vais double-cliquer dessus pour juste enlever ce cadenas. Vous l'appelez ce que vous voulez. Ok. Vous remarquez le cadenas est parti. Et je vais chercher mon outil pinceau. Donc, je vais le chercher ici. Maintenant, je vais appuyer sur X au clavier ou bien sur cette flèche pour interchanger. Sinon, vous cliquez dessus et vous choisissez directement la couleur blanche. Ben, tout d'abord, je dois vous expliquer ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner sur cette image avec des nuances de gris, c'est-à-dire du blanc, du noir, en passant par le gris. Et ben, on va peindre les différents plans de l'image, c'est-à-dire ceux qui sont à l'avant, proche du caméra, comme ces deux têtes-là, et ceux qui sont le plus loin de la caméra. Donc tout ce qui est en avant sera plus blanc, tout ce qui est en arrière sera plus noir. Donc voilà, on a fait notre arrière-plan en noir. Vous devez toujours rester sur ce calque, ne l'oubliez pas. Et maintenant, pardon, je ne vais pas choisir mon outil pinceau, mais je vais choisir Magic Wand ou bien Quick Selection Tool. Voilà cet outil de sélection rapide. Et je vais tout d'abord sélectionner ces deux visages. Je vais essayer. Bon, pour la sélection, on va rester sur ce calque et je vais sélectionner ce visage. C'est pas grave si vous dépassez. Vous maintenez Alt et vous recliquez pour ajuster votre sélection. Vous maintenez le clic, bien sûr, en ajustant. Je vais aussi sélectionner ce visage ici, puisqu'ils sont en premier. En premier plan. Voilà, comme ça. Oups, j'ai trop dépassé. Je vais revenir en arrière. Je vais resélectionner de nouveau. Voilà, comme ça suffit. Je vais enlever ces petites flammes ici. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Maintenant, je vais chercher mon outil pinceau avec du blanc, comme je vous l'ai dit, et je vais mettre une opacité à 100%. Je vais peindre ces deux personnages. Maintenant, sur le calque map, je vais les peindre avec du blanc à une opacité à 100%. Voilà. Et voilà. Si je désactive ce calque et que je mets l'opacité à 100%, vous voyez la différence que ça fait. Je vois que je dois aussi peindre par ici un peu. Donc je vais le faire. Voilà, comme ça. Quand je vais revenir sur mon calque, sur mon premier calque,
tu es désactivé cette sélection, ou bien CTRL-D pour la désactiver tout simplement. Et je vais choisir, maintenant je vais sélectionner le personnage Léon, qui est en deuxième plan on va dire. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être précis hein, dans votre sélection, c'est pas grave pour notre atelier. Pour ça déjà d'ailleurs que j'utilise l'outil sélection rapide. Ça me permet de rapidement sélectionner mes personnages, mes plans. À la hâte. Voilà, voilà. Et maintenant avec Alt, je maintiens le clic et j'enlève tout ce qui ne doit pas être sélectionné. Ça. Ça c'est vraiment pas obligé de le faire, mais bon. Voilà, maintenant je vais chercher mon outil pinceau et je vais mettre une opacité maintenant à 75. Je vais diminuer à chaque fois de 25%. Ok, 75. Et je vais peindre toujours sur ce calque. Je reviens cliquer sur ce calque et je vais peindre cette fois-ci avec une opacité à 75%. Et voilà. Quand vous faites une sélection rapide, c'est ça l'intérêt, c'est ça. Donc, avec l'outil pinceau, il ne faut pas repeindre de nouveau parce que vous voyez que je vais maintenant rendre plus blanc et cet effet, on ne le cherche pas. On cherche seulement des nuances de gris, donc je vais annuler. Et si je reviens à ce calque, avec une opacité à 100%, vous voyez que ici c'est plus blanc que là. Ça se voit pas bien, très bien ici, mais là ça se voit très bien. Là c'est plus blanc par rapport au deuxième plan, au deuxième personnage. Voilà. Je vais désélectionner CTRL-D. Je vais maintenant sélectionner le deuxième ou bien le troisième plan. C'est la fille Ashley. Je m'excuse. Toujours la sélection se fait sur ce calque et la peinture se fait sur celui-ci. Donc maintenant je vais sélectionner sur ce calque et sélectionner Ashley rapidement. Voilà. Je crois que ça suffit. Je vais juste enlever un petit peu ici. Comme ça, voilà. Je vais revenir sur ce calque, choisir, j'espère que vous commencez à comprendre, choisir l'outil pinceau et maintenant je vais faire une opacité à 50%. Voilà, et je vais peindre. Toujours la peinture sur ce calque et vous voyez les nuances de gris. Donc je vais revenir sur ce calque, désélectionner CTRL-D, l'outil rapide et maintenant je vais sélectionner mon quatrième plan qui est Ada. Personnage Ada de la série Resident Evil, que j'adore d'ailleurs cette série. Plutôt, devrais-je dire, j'adore surtout le quatrième épisode, celui-ci. Alors, voilà. Une sélection, vous voyez, très rapide, je perds pas de temps. Maintenant, je vais revenir peindre sur ce calque. Chercher mon outil pinceau avec une opacité cette fois-ci à 25%. Et je peins en étant sûr d'être sur ce calque. Voilà. Je vous l'ai dit, ne faites pas l'erreur de lâcher le clic et puis de revenir peindre à nouveau parce que vous voyez que ça va rendre plus blanc.
Ça, on ne le veut pas. Je vais annuler donc. Maintenant, si je désactive ça avec une opacité à 100%, vous voyez nettement les nuances de gris. Maintenant, c'est très clair. Vous voyez que déjà, on sent la profondeur du champ. Ça, c'est le premier plan, deuxième, troisième et quatrième plan. Voilà, le travail sur Photoshop est terminé. Maintenant, je vais rendre ou bien laisser l'opacité à 100%, n'oubliez pas, ne laissez pas à 50, augmenter à 100% l'opacité et on va exporter le tout ou bien le sauvegarder, donc save as ou bien enregistrer sous. Moi, je vais l'enregistrer dans le bureau, je vais lui donner un nom simple, par exemple 1, numéro 1, c'est tout, ou bien Resident 4. Et je vais l'enregistrer au format PSD, très important le format. Ok, on se retrouve dans la deuxième partie avec After Effects.